Bon, on peut dire adieu au sommeil cette nuit. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des pires façons de mourir dans les jeux vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les façons de mourir les plus brutales et déplaisantes du jeu vidéo, qu'il s'agisse d'un PNJ ou d'un personnage jouable. On ne s'arrêtera pas nécessairement sur les morts les plus violentes ou gore, mais on mesurera à quel point ces morts sont désagréables à vivre. On est désolé pour ce mauvais jeu de mots. Numéro 10, battu à mort avec vos propres membres, Doom. Quand on affronte les démons de l'enfer, on doit prendre en compte la probabilité de notre mort imminente, mais surtout douloureuse et déplaisante. Peu de monstres rendent la mort aussi effrayante que les revenants, et non, on ne parle pas du film de Leonardo DiCaprio. Après vous avoir terrassé, ils vous arracheront les bras et s'en serviront pour vous frapper la tête jusqu'à l'évanouissement. En plus d'être, on en est sûr, incroyablement douloureuse et humiliante, avec cette méthode, vous pouvez être sûr que la dernière chose que vous verrez, c'est un démon tenant votre bras arraché, une vision forcément géniale. Numéro 9, empalé par la gorge, Tomb Raider. Dans la nature, les éléments potentiellement mortels sont assez nombreux. Les animaux, les chutes, la famine, les bâtons pointus qui vous transpercent la gorge jusqu'à ce que vous saigniez et vous étouffiez jusqu'à la mort, etc. On imagine que se faire empaler n'est agréable via aucune partie du corps, mais voir Lara se faire transpercer la gorge alors qu'elle tente désespérément de se libérer en se balançant à quelque chose de très dérangeant. L'expérience doit être extrêmement déplaisante, mais en plus de ça, on ressent probablement une angoisse indescriptible devant notre impuissance à nous libérer. On préfère largement les chutes mortelles. Numéro 8, coiffé au crabe de tête, Half-Life 2. On va être honnête, ces saletés nous donnent encore des cauchemars. Une petite tarentule n'est rien à côté de ces créatures. Presque aussi grosses qu'une citrouille, elles peuvent sauter jusqu'à 3 mètres dans n'importe quelle direction, et en général, c'est vers votre tête. Le crabe de tête creusera votre tête pour atteindre votre cerveau et vous zombifier. En général, les membres de la victime s'étirent douloureusement et leur peau et les tissus de leurs muscles se déchirent lentement. On imagine qu'en plus, l'hôte est conscient pendant la plupart de ces changements. Le procédé est absolument atroce et rend les morsures de zombies bien plus attrayantes en comparaison. Numéro 7, la tête percée, la série Turok. Ah, pauvres dinosaures mutants, mais qu'ont-ils bien pu faire de mal? Dans ce jeu, ces malheureux reptiles sont les victimes du Cerebral Bore, souvent considéré comme l'une des armes les plus horribles du jeu vidéo. Le Cerebral Bore détecte les ondes cérébrales des victimes, puis verrouille la tête qui les émet, et commence à percer vicieusement à travers le crâne, recrachant des seaux de sang et des bouts de cerveau au passage. Comme si l'attaque n'était pas assez atroce, l'arme explose en atteignant le cerveau, et finit par décapiter la victime afin de mettre fin à ses terribles souffrances. Numéro 6, l'embryon déchireur de poitrine, Resident Evil 2. Dans un hommage évident à la série Alien, l'embryon qui explose de Resident Evil 2 n'est peut-être pas aussi repoussant qu'il le devrait à cause des graphismes vieillots, mais l'idée reste terrifiante. Lorsqu'un hôte reçoit un embryon G avec lequel il est incompatible, il ressent d'abord un mal de ventre à cause de la créature qui dévore ses organes internes avant de sortir en déchirant son ventre et de décamper comme une souris terrifiée. Se faire dévorer les organes en étant toujours conscient, c'est déjà assez atroce, mais voir la petite créature détalée couverte de votre sang et de vos entrailles, et il y a mieux comme dernière image. Numéro 5, gonflé et explosé, Saints Row 4. Vous avez déjà eu une grosse migraine? Vous savez quand on a l'impression que notre tête est gonflée et prête à exploser? Eh bien multipliez ça par 1 milliard de points de douleur et vous obtenez le résultat dégueu de l'Inflato Ray. Ce pistolet lance des lasers dans la tête d'une personne et la fait gonfler dans des proportions extraordinaires avant de la faire exploser à cause de la pression. Le tout est accompagné d'effusions de sang qui se répandent sur le trottoir. Non seulement le gonflement de la tête doit être terriblement désagréable, mais en plus on a l'air ridicule. Si nos têtes doivent exploser, on peut bien garder un minimum de dignité quand même, non? Numéro 4, le baiser d'une tronçonneuse, la série Gears of War.
S'il y a bien une chose qu'on aimerait éviter, c'est la mort par tronçonneuse. Malheureusement pour les personnages de Gears of War, ce genre de trépas semble commun, puisque les tronçonneuses sont attachées à la plupart des armes. Si vous l'utilisez bien, elle découpe la chair des victimes comme du beurre. Elle projette des litres de sang partout et réduit le destinataire en pièces, littéralement. Le fait que les personnages hurlent de douleur tandis qu'elles déchirent lentement leur torse est tout aussi perturbant et dégoûtant. Bon, au moins, ça se termine en quelques secondes, mais des secondes terriblement douloureuses. Numéro 3, dévoré vivant par des rats, la série Dishonored. S'il y a bien un type de rongeur que les gens semblent détester plus que les autres, ce sont les rats. Et même ceux qui les apprécient doivent admettre que les rats de rue pleins de maladies sont tout simplement repoussants. À présent, imaginez tout un tas de ces créatures se rassembler contre vous pour vous dévorer la peau, les muscles, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vos os. Une belle façon de mourir, pas vrai? C'est ce qui peut arriver aux personnages du monde dur et sale de Dishonored et on a du mal à regarder. Ces petites dents et griffes qui déchirent notre peau nous donnent des cauchemars. Blarc. Numéro 2, se dissoudre dans une substance visqueuse, Mass Effect 2. God. She's still alive. Saleté d'extraterrestres et leurs foutus engins. L'une des morts les plus terrifiantes et dégoûtantes que l'on ait croisées dans les jeux vidéo est probablement celle de Kelly Chambers, qui perd pas mal au change en étant lentement dissoute dans une espèce de substance visqueuse afin d'alimenter le moissonneur humain. D'abord, la substance versée sur elle lui brûle la peau, causant de terribles douleurs, avant de dissoudre son corps à petit feu, si bien qu'elle se transforme en flaque. Bien sûr, vous pouvez épargner à Kelly ce destin, mais des étrangers prennent alors sa place pour un sort tout aussi ignoble. Numéro 1, l'écartèlement Mortal Kombat. Rien que le nom de la fatalité nous donne la nausée. On imagine des intestins volés et des cris de douleur terrifiants. Merci Mortal Kombat. Si la plupart des fatalities de la série auraient pu convenir, la pire d'entre elles reste celle de Noob Saibot, qui crée une copie de lui-même afin de déchirer ses adversaires en deux par les jambes. Tout dans cette mort est absolument horrible, de la douleur profondément intolérable de l'écartèlement, au fait de rester conscient pendant que nos membres se déchirent un par un de bas en haut, jusqu'à ce que l'on soit découpé en deux. Quelqu'un souhaite vomir peut-être? Nous, oui en tout cas. Noob Saibot wins. Flawless victory. Fatality. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.